Ah vraiment les gars, je suis au fond. En fait, quand tu mets 3, ça va vraiment vite. Quand tu mets 2, c'est bien. En fait, t'as besoin de 2. Mais frère, j'ai l'impression que c'est pas fou. On va faire un peu de carotte. Ah, vous inquiétez pas, les gars. Les admins, ils vont entendre parler après. Ouais. Les admins, ils vont m'entendre parler après. Alors, le melon consomme plus d'eau. J'ai l'impression. Mais... ça marchera pas là, putain. La soupe ne remplaçait pas l'eau. Bah non, malheureusement, mec. J'ai demandé si ça fait la soif, mais... j'ai l'impression que non plus. Amélia. Mec, on a 4 gourdes, c'est formidable. 4 gourdes, c'est formidable. Je vous dis la vérité, j'ai un... formidable. Attendez, mais c'est magnifique là ce que vous faites là. Non, mais c'est magnifique là, c'est magnifique. On met où les branches? Là, toujours là. Ok. Ici? Là, y a vraiment plus besoin de pêcher, les gars. Dès que vous avez faim, vous allez manger des crabes dans les pièges. Ça fait 3 jours que je pêche, heureusement. Bah là, c'est fini, là. On a passé à l'étape supérieure. Et le potager, les gars, je vous le dis, c'est terrifiant. On a ramené full branche, y en a besoin encore ou pas? Oui. En fait, oui, parce que Habib, il faut que je vous parle. Vu que vous êtes le coach sportif et sûrement le plus fort d'entre nous. Je pense que la prochaine étape, oui, mais vous êtes tous les deux très forts. Et je pense que la prochaine étape, ce serait de fabriquer des battes et des lances, parce que, ou même un marteau, parce qu'on n'a jamais fait, on l'a jamais fait, et ça se trouve que on a, il faut, ouais, on a loupé quelque chose. De toute façon, là, on a tout dans le camp maintenant. Narine, on fait quoi avec les battes? Je sais pas justement, mais je pense qu'il va falloir se défendre ou. T'avais de la coco, vous aviez trouvé de la coco ou pas? Parce que ouais, mais c'est. En fait, ce qu'il nous faut surtout, c'est les graines, les gars. Les graines. Je fais une batte, Narine. Non, je vais déposer la coco. Mais t'as pas dit on fait une batte? Ah, c'est bon, c'est 14 de bois, vas-y. Attends, moi aussi, je vais me faire un petit truc alors. C'est quoi le marteau? Bah, en fait, j'ai envie de voir ce que ça donne le marteau, mais il faudrait trouver un caillou. Si tu trouves un caillou, on peut le faire tout de suite. Enfin, il y a un caillou là. Ah merde, ah oui, t'as raison, il en faut un. Attends, j'en encore. Il manque juste un caillou et on fait le marteau. Il y a des cailloux là-haut. Et ça se trouve, ça va être un truc de fou. Ça ramène du bois, ouais. Narine. J'ai besoin de te parler. Dis-moi. Bien. Oui, j'écoute, buddy. Il faut que je te parle des votes qui vont se passer. Parce que moi, je suis pas un hypocrite, comme je vous ai dit. Et j'aimerais vous parler à tous parce que j'ai envie de jouer la carte de l'honnêteté. Ce soir, c'est Camélia qui va sortir. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et tu vas me dire si tu es d'accord. Est-ce que tu trouves que Camélia, elle est utile au camp? Oui. Ok. Et est-ce que tu trouves qu'elle est assez utile pour aller le plus loin possible? En gros, attends, comment dire ça? Est-ce que tu penses que quand il reste... Oui, attends, Buddy, je vais te dire. Vas-y. Moi, je suis au camp, tu sais, je bouge pas beaucoup du camp, et je suis dans le camp... C'est justement pour ça que je te parle. Non mais moi je vois un petit peu ce qui vient... C'est mon top 1 du camp. Merci, c'est gentil, Buddy. Et moi, je t'oublierai jamais parce que tu m'as sauvé la vie. Et... mais il faut qu'on comprenne que depuis le début, il y a deux personnes qui vraiment, vraiment nous tirent vers le bas. Que ce soit en termes d'équipe ou que ce soit en termes individuel. Et je pense que ce soit François ou Douglas, je pense pas que c'est un mauvais choix l'un ou l'autre. Mais Camélia s'avère que
Camélia est tout le temps avec Jack, ramène énormément de ressources, trouve des nouvelles choses. Voilà, elle est là, elle essaye. Et... Alors que François, il a pêché 3 poissons hier. Aujourd'hui, il a fait plus un petit peu, mais il s'améliore. Mais... Tu sais, mais écoute, je vais t'expliquer mon raisonnement. Sur ce camp, il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes utiles comme toi, mais nulles au jeu d'immunité. C'est vrai, c'est un fait. Il y a les personnes utiles comme moi et forts au jeu d'immunité. Il y a les personnes un peu moins utiles pour moi comme... Je me suis fait casser la gueule. Il y a même 4 types de personnes. Un peu moins utiles et fortes au jeu d'immunité, comme Camélia. Et la 4e catégorie, c'est les personnes qui sont nulles et qui ne servent à rien. Et ces personnes-là, le jour où vraiment on ne saura pas qui voter, on peut les sortir quand on veut. Donc pour moi, il faut éliminer en priorité les personnes qui sont nulles et qui sont fortes à l'immunité. Parce que si demain, par exemple, je sais pas, prenons Douglas, il se réveille, il est trop fort aux épreuves d'immunité. Il a tous les jours l'immunité et il fera jamais rien, donc on pourra jamais le voter, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je vois le raisonnement, effectivement. Tu vois donc, qu'est-ce qu'ils en ont dit, Jack Jack, il a dit quoi? Je n'en ai pas parlé à Jack et Stéphanie pour l'instant. Ok, bah, je t'avoue que je suivrai un petit peu plus la vie de Jack là-dessus. Ah, je comprends. Mais juste, je t'explique mon Je comprends parfaitement votre raisonnement et effectivement, c'est cette stratégie-là que je n'ai pas du tout pris en compte. J'ai la tête dans le guidon, dans les plans, etc. Et je ne vois pas du tout ces choses-là. Je suis venu te voir toi. De toute façon, j'ai dit à tous ceux avec qui on a parlé, j'aurais dit que Camilla a fait gagner les épreuves de confort, je suis d'accord. Je suis pas quelqu'un d'hypocrite, donc j'ai pas envie que tu vois. Et dans tous les cas, j'ai dit peu importe qui sortira aujourd'hui, ça me fera chier parce que j'ai lié des liens avec tout le monde et moi je suis pas une mauvaise personne. Bien sûr, mais c'est le jeu, c'est le jeu, buddy, c'est le jeu. Et on finira tous par sortir. Exactement. Donc c'est pour ça que je t'en ai parlé à toi parce que pour moi, t'es un peu le numéro 1 du camp et ça que jamais je voterai pour toi. Merci buddy. Voilà. Bah moi non plus je voterai moi non plus. Pas pour te sucer, hein. Non mais moi non plus je voterai pas pour toi parce que sans toi je serais mort. Viens on allume le feu. Viens on allume le feu. Prends Siex. Putain mec, ces histoires de vote, ça casse les couilles, on peut pas juste farmer. Hey, chat, on peut pas juste farmer les gars, franchement. attends, il y a du bois là-dedans ou pas? Je crois qu'il y a plus de bois. T'es lent, hein. J'en ai mis un peu, mais je sais pas si. Ok, 4 bois, attends, je vais en chercher. Ah, mais ça va le faire. Attends, il faut poser le CX, je te laisse t'en charger. Tu poses le CX, tu prends du bois, prends-en un max. Et après, tu reprends le CX. Ok, c'est parti. Allez, buddy. On en a besoin. Il faut le faire. On n'a pas le choix. Il faut le faire. Non, mais tu verras, des fois, c'est vraiment super long. Et même quand tu te dis... Ah, ouais, ah oui, je comprends, là. Est-ce que c'est mieux? On voit pas le bois, mais vas-y, prends ton... dépose tout. Prends ton CX et... Oh la vache, c'est très lent. Vous voulez que je remette un peu de bois? Oh putain, faut pas faire. Non, on en remettra tout à l'heure. Je me concentre. Ah ouais, donc ils en ont refait un peu. C'est bien d'ailleurs, c'est très bien, ça donne plus de possibilités. Oh pute. Ah ouais. Cameron, prenez du silex, aidez-nous. Cameraman, aidez-nous à allumer le feu, vous allez geler avec nous sinon! Comme ça, ne lui parle pas comme ça. C'est tellement long. Il faut lui parler d'une autre manière. Dites à votre Stéphanie, on a besoin de vous! J'ai besoin d'elle comme belle-mère. Allez chercher un silex et il faut utiliser le silex. Non, mais je vais chercher un peu de bois. Non, mais c'est une blague là. Mais c'est mort, j'attends pas ça moi. Buddy, qu'est-ce que vous faites quand c'est excessivement long? Ben, t'attends et tu fermes ta gueule. Ouais, mais t'es vraiment super long des fois. Ok, bah là, Stéphanie, là, on a besoin de vous, là, parce que... on a besoin de vous. Aidez-nous. C'est bon, ça. Aidez-nous, le silex, allumez. Je sais pas du tout, je l'ai perdu de vue. Il faut allumer le feu, là. Venez nous aider pour le feu.
Ah, je l'aime bien Kamali, les gars. Je l'aime bien Kamali, les gars. Comment c'est pas loupé par contre? Ah non, mais c'est fou. Depuis que je vous ai parlé, je suis toujours en train d'attendre. Allez, j'arrive. Bah, je sais pas si vous, mais vous avez ça, mais moi, j'ai toujours pas réussi à sticker mon silex là. Ah oui, parce que moi, je stick bien là. Ah bah, bien joué, parce que moi, je. Merde! Déconcentré, Narine, c'est votre charisme qui pardon. M'empêche de. Pardon, de Stéphanie. Dire. C'est pas grave. Ça m'a fait. Vous avez voté qui, Stéphanie? Qu'est-ce que c'est long? J'hésite beaucoup. Ouais, Buddy, là, il a éclairé mon chemin, mais c'est difficile. Ouais, j'ai du mal à accepter. Est-ce que tu pourrais éclairer mon chemin également? Bah oui, je peux jouer la carte d'honnêteté, mais. Oui, j'aimerais bien, en effet. Attends, Narine, je t'ai pas dit ça pour que tu votes comme moi. Hein. Non, mais c'est quand même. C'est quand même... Allez, on y est bientôt. On y est presque. Et les gars, je m'inquiète. Vous savez pour voter ça, non? De quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Ah non, c'est bon, Karim. Attends, j'allume le feu. Ouais, les gars. Pour moi, c'est très lent, là. Enclenchez votre silex quand c'est trop long. Enclenchez? Oui, enclenchez-le, oui. Je vais enclencher, oui. Enclenchez-le. J'enclenche. Ah ouais. Voilà, ouais, ouais. Bien joué, les gars. Let's go. Oh, la petite dubs du feu de la joie. Bien joué. Wouhou. J'arrive. Narine, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je commençais à me... Ah oui. Oui, oui. Oh, oui, attendez, je réchauffe juste un peu parce que ça devient compliqué. T'es pas dit, je peux prendre une séance de psy après? Avec grand plaisir, si vous voulez. Également, échecs, je suis en train de... Les échecs en épreuve commencent à me trotter dans le cerveau et... Vous savez, la vie n'est pas... Quand vous faites ce genre de choses, ce ne sont pas des échecs, mais une manière de voir la façon de ne pas faire la chose. C'est que votre voix était ailleurs. Ah ouais. Juste à ce que vous m'avez dit hier, quand on se perd, ça veut dire qu'on est perdu mentalement, et je me suis reperdu tout à l'heure, donc... Est-ce que quelque chose vous a troublé avant que vous vous perdiez? Pas vraiment. J'étais vraiment concentré, en plus, sur le chemin. Est-ce que je peux mettre du melon, là, putain? Ce qui est bien, c'est quand le melon est coupé, on peut le transporter. Et ça, c'est un truc de fou. Et je pense également que l'île n'aide pas, puisque je pense que l'île s'érode énormément et donc elle change un petit peu de forme. Ah oui, c'est ça, ça doit être ça, ouais. Ouais, je pense. C'est chiant, mais c'est chiant. Je vais chercher la porte dès que j'ai chaud. Liwasan, là, j'ai besoin qu'ils mettent des trucs, là. Enfin, ouais, je vais couper toutes les soupes. Et à tous les coups, les gars, les soupes, elles ont le même... elles sont pareilles à tous les coups. À tous les coups, les gars. Par contre, hey, tiens, moi, la semaine prochaine, je pense que c'est ciao pour moi. Putain, il manque un de bois, putain. Oh, le dernier bois. On va voir le marteau. Attention, les gars, le marteau. H. Hey, quelqu'un a une hache? Je peux emprunter une hache, s'il vous plaît? Par terre, tiens. H. Non, par terre. Il y en a une au sol. Merci. Tiens, Narine ne peut pas gagner. Narine est... Narine, mec, moi j'aime pas. Là, les gars, tu vois, genre là, par exemple, aujourd'hui, on va faire le premier vote stratégique. En mode contre Camélia, les gars. Et le problème, c'est que j'ai pas de raison de ne pas la voter. Et mais c'est vrai que Buddy, là, il a... Hein? Bon, aujourd'hui, heureusement, on a les deux bâtiments en plus. Là, les gars, ils nous ont régalé. Mais en vrai, qu'est-ce que vous ramenez? Deux citrons. Deux citrons? Ouais, mettez-les par terre. Merci Camilla. Ok. C'est mon dernier cadeau. Merci. Du jeu. Putain, le bâtard. Oh, le bâtard. Les gars, ils ont raison. Camélia est très forte pour les défis et tout. Et du coup, si on se retrouve comme des cons, mec, avec que des gens qui sont forts et qu'on n'élimine pas les gens forts,
Ça va être complexe, les gars. C'est vrai. Hein. Ok. Ah, mais les citrons, mec, ça m'a gavé, putain. Ça m'a gavé, putain. Clic droit pour déposer le citron. Un drag and drop. Je coupe le citron. Moi, je pense que les gars, je vais faire un vote égoïste et nique sa mère. Moi, je vais voter Douglas, les gars. Et en fait, je pense que je vais me tenir à ce que je pense et à la vision de Narin. C'est que Narin, mec, il voit les gens qui rentrent au camp, il voit les gens et c'est comme ça que je vois les choses. Et puis voilà, quoi. Narin, ça lui casse les couilles de voir des gens qui branlent rien sur le camp. Et puis, nique sa mère. Hein. Et puis, et par contre, comme ça, si je fais ce genre de vote, les gars, eh bien, je finirai par me faire éjecter parce que, en fait, il faut que je rentre dans les stratégies, il faut que je me fasse des alliés, il faut que je fasse des trucs comme ça, en fait. Et ce que je refuse de faire, parce que vous voyez là, ils sont en train de parler. Hassan, ça va ? Ouais, ça va, j'ai trébuché. Qu'est-ce que vous foutiez en haut de cette montagne ? J'ai cherché des pierres. Bah écoutez, j'ai réussi à créer le marteau. Ouais, parfait, j'en ai fait un aussi. Ah bon ? Ah non, non, j'ai. Juste, j'allais en faire un. Vous ah, ok. Faire la batte de baseball, non ? Bah non, non, j'attends de voir ce que donne le marteau, je sais pas à quoi il sert. Ok. Je vais aller pisser. Mais Narin est loyal, mais Narin va se faire baiser, les gars. Allez, voyons, maintenant il va se faire baiser. Si j'équipe le marteau et que je prends le plan. Ah, tu vois, ils auraient pu faire un truc où ça prendrait moins de ressources, tu vois. Ils avaient pu faire un truc où ça prendrait moins de ressources, tu vois. Je sais pas à quoi sert le marteau. Peut-être à crafter un truc, je sais pas, tu sais. Vote, bah ouais, les gars, je... Réparer ! Oh ! Ah, donc en fait, quand la tempête elle va arriver, elle va dégommer la base. Et après, je vais pouvoir réparer, les gars. Useless, tu vas voir. Tu vas voir. Quand la base elle va être détruite, mec, par la. Oh, putain, attends, mais les gars, là c'est qu'il y a du melon là. Attends, il faut que je pose là, j'ai chargé comme une mule. Là. Faut que je plante, les gars, il faut que je plante. Les gars, on perd du rendement quand je plante pas. Les votes, je peux le faire instantanément. On s'en bat les couilles, les gars. Les gars, vous inquiétez pas. Commencez pas à vouloir trop. Attendez, il faut que je récolte là. Il faut que je récolte, les gars. Ok, attendez. Hein? J'ai ramené deux citrons. Magistral. Oh. Non mais les gars, on va jamais avoir faim en fait. Et le deuxième potager, il est overkill de fou en fait. Il est overkill de zinzin, les gars. C'est pas satisfactory. Regarde-moi bien. Je crois que je peux pas l'utiliser parce que mes mains sont pleines en fait. Regarde-moi bien. Je devrais avoir des meilleures compétences, tu sais. Avec le... Plus je plante, plus j'ai la main verte et du coup, plus je suis efficace. Bon après, les gars, là je m'emporte, les gars. Je vais gicler avant que tout ça existe. Merci Milky pour les 10 subs. Merci. Eh, les gars. Eh, Narin, là, il est... Quand je parle avec vous, les gars, Narin réfléchit avec le chat, ok. Narin est en train de réfléchir avec le chat.
Y a, et puis voilà, c'est y a rien de mal, les gars. Il est dans ses pensées, il est en train de réfléchir avec le chat, les gars. Et puis voilà, c'est tout. Putain de narine, il met bien tout le monde là. Ouais, les gars, En fait, là on n'a plus jamais besoin de bouffe, en fait. Parce qu'en plus, je récupère des graines, là. 4 carottes. Non, mais c'est une dingoserie. Ah, les carottes, je pense qu'on peut les déposer là-dedans. Ah, il faut que je les prenne dans mes mains, mais comment on fait ça? Bah ouais, mais ça me casse les couilles, putain! Ah. Est-ce que quelqu'un sait comment je mets... Hassan! Comment est-ce que je mets quelque chose dans mes mains? Bah tu prends toute ta main, tu mets le truc, tu vois, tu l'attrapes, et je te dis plus. Ouais, c'est... Ça marche plus. Et quand ça, tu dis mettre un truc dans tes mains... Larine, en gros, tu le mets sur... Tu mets la pomme, tu 1, 2, 3, 4. Ça passe pas. Ah, peut-être. Ok, les gars, moi je... T'as réussi? Ouais. On voit qui? Je sais pas, moi je... Vous avez écrit quoi? François, t'as écrit quoi? Moi j'ai écrit pignon. Moi je vais voter pour moi, les gars. Je vais rien me sacrifier, j'ai pas... Vous voulez pas vous mouiller? Le problème c'est que je hint, les gars. Je hint et après je vais me faire balancer, les gars. Vas-y, nique ça, merde. Douglas, il a fait des efforts, les gars. Il a fait beaucoup d'efforts, les gars. C'est compliqué là à choisir. C'est vraiment compliqué à choisir. Oh putain. T'imagines, t'es pas au courant qu'ils vont réparer les trucs? Oh là là. En vrai, mec, ils auraient peut-être dû faire un truc où, genre, vraiment, ton truc. T'as voté qui? Mais vous verrez bien, les gars. C'est quoi ça? Jack ouais, Jack. Ouais. T'as voté qui? J'ai pas encore voté, moi. Je vote qui, là? J'en sais rien, moi j'ai pas envie de trahir les gens. En fait, Buddy, j'ai compris sa strat. Mais j'ai pas envie de trahir. Mais dans tous les cas, ce sera la trahison... Enfin, moi, personnellement, moi, si... Ouais, mais qui t'es... vote, ce sera la trahison, parce que j'aime pas... Ouais, mais non, pas moi. Vous savez quoi? Votez pour qui vous voulez. Bah, c'est ce que je vais faire. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Et même si c'est pas une stratégie fine, je pense que je resterai solide contre sur mes appuis. Voilà. Tu fais bien. Non, parce que finalement, en fait, quand les gens vont se regrouper et monter des coups, etc., bah, je serai pas dans le coup et du coup. Non, mais tu seras avec moi et moi je suis avec tout le monde. Je t'ai dit, t'es mon top 1 et j'ai dit à Jack que c'était mon top 2. Vous êtes mon top 1 et top 2. En termes d'utilité, hein. Enfin, et de l'orationnel, je vous aime beaucoup. Mais Doug, c'est mon top 1, on va dire, en termes de l'orationnel. Mais en termes d'utilité, plus sa mère. François ouais. Les carottes, mets-les dans le feu, s'il te plaît. C'est pour les soupes. Merci. Pardon, non, vas-y. Si jamais un jour, je dois choisir entre toi et Doug, c'est Doug qui part. On soit bien d'accord. Je fais passer l'utilité du camp avant l'utilité... Bah oui, mais moi aussi. Et c'est ça le problème, Mais là en fait, tous les propos, tout ce que tu m'as dit, ça tient debout. Et c'est ça le problème en fait, et c'est ça, j'aime pas, voilà. Viens, je vais planter des plantes si tu veux continuer à me parler. Narine, on fait la batte. Mais je sais pas si c'est vraiment utile, quoi. Mais Narine, t'as voté? Bah en vrai... Ouais, j'ai voté, ouais. Ah ok.
En vrai, t'avais, moi je préfère qu'on ait une boîte, hein, on sait jamais, non? Hassan, t'as voté qui? Tu peux le dire, on a tous voté. Hein. On se l'est dit, les gars, on se l'est dit. Moi j'ai voté contre Douglas. Ok. Ah, désolé Buddy, hein. Je sais que c'est ton pote, mais. Ah, le problème, c'est que c'est pas Doug qui va sortir et Jack il m'a menti. Du coup, ça m'énerve. Ça. Il t'a mais menti, il a dit quoi? Comment ça? Hein? Dommage. De quoi? Bah oui, il a dit que c'était François. Il m'a pas dit Doug parce que vous savez très bien que Doug c'est mon duo. Non, mais je m'en fous, moi je parle devant tout le monde. Moi j'en ai rien. Hein, si tu veux, n'a rien. Combien t'as combien? Mais je m'en bats les couilles. Une goutte, je crois. Ah, mais une goutte, ça m'intéresse pas. C'est gentil. Non, non, une goutte, ça marche pas. Devant tout le monde, je le dis. Les plantes sont luxueuses. Allez, viens, Doug. Reste pas avec ces mecs là qui puent de la gueule. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, t'inquiète pas, là c'est Dark Buddy là, je peux te le dire. Là c'est Dark Buddy là. Oh, il s'est passé quoi, Ben? Oh, laisse tomber, mon gars. Là c'est parti, t'as pas entendu, mon gars. Je vous dis, les prochains jours, ça va chier. Buddy, depuis que t'as le totem là, tu te la sens plus en fait. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Attends, désolé. C'est depuis que j'ai le totem, bizarrement, tout le monde vient me parler. Alors je me guis, le gars, je peux plus rien faire. Ça veut dire que tout le monde sait ma place ici. Il a pas tort. Exactement. Et maintenant, tout le monde vient me dire des trucs. Ok, c'est bon. Ça a corrigé le truc. Je pouvais plus ouvrir mon menu ou quoi. Là, on a plus d'eau. Les gars, ils avaient le temps d'aller chercher de l'eau là. Attends, quoi que j'ai un litre encore. Je suis quoi, des carottes? C'est quoi ça? C'est des fraises? Les fraises, honnêtement, ça me casse bien les couilles. Hein. Les crabes, ils carry trop. Donc, à la rigueur, les trucs, mais bon. Les melons, je trouve ça bien, les melons. Je pense à faire du melon. J'ai ramené encore du bois, t'en as besoin encore? Bah écoute, j'ai fait le marteau. Ouais. Et ça sert à réparer la base. Donc en fait, tu vois l'abri qu'on a fait? C'est quand il y aura des tempêtes et des choses comme ça, et des intempéries de météo. Ouais, faudra réparer parce que je pense qu'on va vraiment prendre cher. Voilà. Ok, je vais aller chercher Stéphanie, j'arrive. Vas-y. Je peux pas arroser là, laisse-moi arroser. Chat, en fait, il y a des gens, ils ont des trucs dans les inventaires, les gars, qui à mon avis nous feraient avancer et tout, mais ils gardent tout pour eux. Et ça commence à me casser les couilles. Je vous dis la vérité, ça va me casser les couilles ces histoires. Putain, si je peux pas arroser, c'est compliqué là. Les crabes et tout, on peut les mettre où l'autre nourriture, y'en a rien. Crabes, ici non, ici là, non? Ça marche pas ici? Bonne question. Ça devrait marcher. Non, ça marche pas. Ça marche pas de les prendre dans la main, les gars. Ah ouais, ça marche pas, putain. Ah, tu les manges. Les crabes, tu les manges. J'ai pas de canapé. Les crabes, il faut... Emplacement 1. Ça casse les couilles. L'emplacement des mains, les gars, pour que vous le sachiez, les gars, ok? Il est là. Il n'y a rien qui marche quand tu mets les trucs comme ça. Mais en gros, regardez, si je fais clic droit, là il est dans mes mains. Y'a les bateaux, faites votre vote. Oui. Faites votre vote et partez si vous l'avez pas fait déjà. Il faut que j'arrose là avant. Ok, c'est bon. Je le mets 2. Et après, je crois que je suis foutu. L'heure de la sentence va bientôt commencer. Bah les gars, qu'est-ce que je vous dis? Honnêtement mec, ça me saoule, mais ouais, leur alliance là, je pense qu'elle va gagner. Fraise, c'est pas mauvais non plus, mais... Franchement, autant mettre 3 les gars et l'avoir instant en vrai.
Je pense autant mettre 3, les gars. C'est peut-être plus rentable. Parce que l'autre, il va mettre 3 heures à arriver. Là, on va l'avoir direct. Les gars, vous votez quoi? T'as voté quoi, toi? Moi, je votais Douglas. Ah, mais Douglas, moi, je l'aime bien, je peux pas le voter. Ah ouais? Ouais. Le problème, c'est que j'ai toutes les raisons de voter Douglas. Ouais, mais en vrai, t'as... c'est en tout en ton honneur. Je sais pas comment dire. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Je crois qu'il faut prendre les bateaux, les mecs. Bon, il m'a pas répondu, comme d'hab. Manipulateur jusqu'au bout. Et naïf jusqu'au bout, je serai. Je serai naïf jusqu'au bout. Allez les gars, c'est le moment chiant. C'est le moment relou. C'est voilà. Mais en tout cas, on a besoin de moins de farm, donc votre équipe, monsieur, vous êtes pas? Axel, est-ce que tu veux que je lui casse la gueule s'il le fait ou pas? Bonjour. Comment ça va? Bonjour, si je fais quoi? Comment? Non, pas toi. Vous allez voter qui? Bah, c'est très mitigé pour l'instant, donc on sait pas trop en vrai. Mais vous avez déjà voté là, non? Ouais. Bah alors? Et toi, t'as voté qui? Moi? Ouais. Pourquoi tout le monde me retourne la question et ils répondent pas d'abord à ma question? C'est moi qui l'ai posé en premier. Honneur au plus jeune. Qu'est-ce que vous savez que je suis jeune? C'est parce que j'ai une coupe de cheveux, c'est ça? Non, t'as des crocs. Non, regardez. Ça, c'est mes vrais cheveux, monsieur. Oh putain, ouais, j'ai 48 ans, donc c'est elle la plus jeune. C'est elle qui commence. Ok. Surprise. J'ai voté Abdelkri. Moi, j'ai voté Douglas. Pareil, Douglas, c'est pas celui qui a mangé un hamburger dans votre dos? Ouais, ils font rien sur le camp et je sais pas qu'est-ce qu'ils font encore là. Ouais, c'est Douglas. Excuse-moi. Douglas, ouais, monsieur Mathieu, vous avez voté qui? Voté ta grand-mère. Excusez-moi. Ok, allez, je vous emmène parce que votre équipe elle est sacrément égoïste. Vous pouvez, il y a un rigolo. Sale geek, t'as un sale geek. Pas de m'imiter. Pose le vieux. Bah porte-le ton vieux là. Attends, c'est votre équipe, vous la portez pas. Gros nul. Y'a quelqu'un dans votre équipe. Il nous porte à toutes les épreuves, fais pas le mot. Tenez, voici la livraison. Ah, merci. Ah, bah merci de l'avoir ramené. Bonne chance. Monsieur Narine, qui avait fait la position des bateaux? Avec les jaunes, monsieur. Allez, pardon. Casse-toi là. Qui, quoi? Casse-toi, sale geek. Qu'est-ce qu'il a le geek? Casse-toi si t'as pas de couilles. Sale geek. Je pense qu'il casse-toi, c'est bien foutu de ta gueule, François. Oh, ce sera pas la première ni la dernière si je peux me permettre. Je vais faire voter les gars demain je pense, je pars. En fait, je pense qu'il est, il y a aussi le côté de personne veut faire ce que je fais aussi. Et je pense que ça compte. C'est mon préféré. Mais oui. Écoute, c'est un bon. Blague, on se taquine un peu avec. Moi, tu m'aimes bien le chauve. Non, je te connais pas. C'est moi le chauve. Ah, il te l'a envoyé, hein. Non, pas toi. Non, Narine, toi, t'as pas de cheveux. Chevelure, t'es un ouf, le mec avec sa chemise devant là. Okay, c'est une perruque. Bien. Les jaunes, vous asseyez tous non, à mais... gauche. Mais toi, c'était vrai cheveux, toi, Narine, non? À gauche. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah bah voilà, ce que je dis. C'est mes cheveux d'avant. D'avant. Attends, c'est à gauche par rapport à toi. J'ai conservé mes anciens cheveux et je les ai remis sur ma tête. Ouais, en gros, oui, t'es pas allé chez coiffeur, du coup, ça pousse sur la tête, quoi. Ah bah merci. Ah oui, entre autres, oui. Ah bah y'en a un qui a pas sinon. Merci beaucoup, c'est gentil. Zara. Ça fait pas Stéphanie? Si, je crois que c'est Stéphanie son nom, je comprends pas. Elle vient de dire Zara. Elle s'appelle Zara ou Stéphanie? Elle s'appelle Zara, c'est Mais moi, vous m'avez pas dit que vous appelez Stéphanie, et tu t'appelles Stéphanie, non? Claude François! Ah oui, bien sûr, je m'appelle Stéphanie, oui. Zara, c'est ma sœur. Donc, bah Zara. Ah non, Zara, c'est ma sœur. Ah, vous avez okay. Entendu quoi? J'ai rien compris. Zara? C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Enfin, des présentateurs qui s'habillent bien. Merci, bah non, on le remarque, très apprécié. Là. Ok. Et vous avez vu, notre équipe de production, ils peuvent enfin se mettre à l'aise.
Ah, franchement, hein, quand ils sont payés, c'est mieux, je pense. Ah bah là, ils sont en vacances. Dans le comportement, ils vont bien, ça se voit, ils ont le sourire. Ils sont pas désagréables. François, rapproche-toi là de nous. Oh, oh, les frères. Toi, par contre, t'avais. Je vais le dire à papa. Oui, mais je te rappelle la baffe que tu m'as mis là, à notre élimination. Bah, ça t'apprendra. Tu te rends compte que je vais devoir envoyer un message à papa pour qu'il me rachète une paire de lunettes? Moi, je pars, François. Il te rachètera rien du tout. Moi, j'adore Claude François. T'as qu'à faire attention à tes affaires. À toi de faire attention à mes affaires. Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude. Moi. Ça, François? Tu m'entends? Ouais. Alors ça fait quoi, monsieur Mathieu, d'être assis sur la chaise là? Dis ta grand-mère, toi. Ça fait quoi, monsieur Mathieu, par contre, de partir direct? Vous parlez bien de ma grand-mère parce que je vous ferai signaler que j'étais champion de kung-fu quand j'étais en troisième. Va t'asseoir là, arrête de me casser la tête là. Monsieur? Il fait quoi lui là avec sa chemise rose? Et ça, et toc! Et toc! Ok, toc. François? Ouais? Allô? 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 Vous avez voté qui là? Moi j'ai préféré voter contre moi-même, comme ça je déçois personne. Pareil, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on essaie de communiquer ici, arrêtez de parler tous en même temps, merci! Monsieur Mathieu? Oui, pourquoi ça? Non? Ben, s'asseoir, elle a fermé. Tout le monde est là? Bonsoir à tous! Bonsoir! Pour la délibération! Bonsoir! C'est la Fashion Week! Comment ça? On va attendre un peu, s'il vous plaît, patron, il y a Axel Leric qui arrive. Ah, toujours le même. Vous voulez pas l'éliminer celui-là, il nous fera gagner du temps tous les jours. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? S'il met trop de temps, c'est lui qui est éliminé. Non, mais attends, c'est pas possible. Mais pourquoi la prod elle est habillée différemment? Parce que maintenant ils sont en vacances, ils ne subissent plus la dictature de monsieur Mathieu. D'égoïste. Ah, oh, merci beaucoup. Sauf avec son short jaune là, il est moche. Ouais, vous êtes pire, ouais. On leur a offert des beaux vêtements pour qu'ils puissent profiter. Je me suis remarqué, il y a un vieux, il doit faire 3/4 des millions en marchant. Personne l'aide. Ces équipes de bouffons, ils sont tous là, assis comme ça. Non, mais c'est incroyable. Tu voulais. Ah ouais, bah. François, t'as vu, t'as peut-être un taf après ce soir. Bonjour Axel. Le travail de quoi? Alors, vous êtes tous réunis pour la délibération. Ils sont tous assis comme ça. Deux ah oui, d'entre il arrive, vous hein. vont quitter ah l'aventure. Oui. Êtes-vous prêts? Oui. Plus très bien. Oui. Ouais. On va changer un petit peu les habitudes pour cette délibération. Nous avons choisi de commencer par l'équipe Curie, les jaunes. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Quelqu'un a peut-être un petit mot à dire sur le ressenti. Quelqu'un est proche de la sellette, il le sent un peu sur le point de départ, peut-être. Quelqu'un s'avance, se lève et se prononce ou se taise à jamais. Buddy? Buddy, t'écoutes? Pas moi, parce que moi, j'ai le double limité. Bravo, Buddy! Effectivement, Buddy est. Bravo, Buddy! Il ne risque rien ce soir. Bien joué, mais c'est bien joué, Bud. Bien joué, Bud, hein. On rappelle que pour l'équipe Aringo, c'est monsieur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vince, oui, voilà, lui, le machin là-bas. Qui a l'immunité. Oui, bon, ça, c'est discutable, mais voilà. Qui a l'immunité deux fois de suite consécutive. Par contre, c'est très remarquable, ça, on peut le notifier. Alors. Bon. Eh bien, visiblement, les jaunes sont très silencieux ce soir. Ils ont perdu leur entrain d'antan. C'est regrettable. Et nos spectateurs sont en train de partir. C'est juste c'est un moment difficile, oui. Monsieur. Abrège ! Ça fait jamais plaisir de perdre un membre. Nous allons donc procéder au vote des jaunes. Clark ? Ouais. Je te laisse ouvrir le premier bulletin. Putain, je me sens mal, les mecs. Mets-toi bien face
aux autres. Qu'est-ce que tu lis, Narine? Douglas. Quoi? Pour le premier vote, Douglas. Ça me fait plaisir, ça. Qui a voté pour moi? C'est toi, Tom. Qui a voté Doug? Oh, Douglas qui sort, ce serait un régal. Deuxième vote. C'est qui a voté pour moi, les gars? Camélia. Ça commence. Ce serait regrettable. Quoi? Un élément clé de votre équipe. Ça commence. Attention, roulement de tambour. Troisième vote. Camélia. Nous sommes donc à 2-1. Un vote pour Doug, deux votes Camélia. Et ça? Quatrième vote. Camélia. Nous sommes donc à... J'arrive. Oui, ça aussi. Suspense. Camélia. 4 Camélia, mec. Ils ont monté le monde entier. Quatrième vote pour Camélia. La stratégie va gagner ce soir. Je pense que nous arrivons à la stratégie. Une fin inévitable pour Mademoiselle Camélia. Cinquième vote pour Camélia. Les jaunes, c'est les pires chiens. Le prochain sera décisif. C'est pas win encore, t'inquiète. Les jaunes, ils ont aucune vie. Rassis-toi. Tout exprès. Si je peux me permettre. Mais ah, ça y est, c'est foutu là. Douglas, vote, tout est encore à jouer. Douglas. Non. Attention. Eh mec, je me demande s'ils font exprès. Tu sais, s'ils ont les fiches devant eux et ils piquent. Et pour faire durer le suspense. Douglas. T'as vu, je me demande s'ils vont exprès, les gars. Ou c'est vraiment random, et si c'est vraiment random, Camélia, c'est incroyable, 5, tu vois. Je mange du caviar. Douglas 3. Et si c'est pas Douglas qui sort, je mange du caviar quand même. Et c'est Camélia. Malheureusement, Camélia. Oh, c'est si con, tu veux bien te lever. Oh merde. Va nous quitter ce soir. Elle a été une survivante redoutable. Oh non. Certainement qu'elle a effrayé ses camarades. Je ne vois aucune autre explication plausible. C'est regrettable, mais c'est le jeu et c'est une stratégie qui est, ma foi, recevable. Parce qu'il faut éliminer les gens forts. Hein, parce que quand on arrive c'est à vrai. Ce stade de l'émission, il faut prendre aucun risque. C'est vrai. Camélia, est-ce qu'un petit mot au micro pour... Mettez-vous au micro, Camélia. Oui, je vais me mettre au micro. Déjà, j'aimerais savoir du coup, qui de mon côté a voté contre moi. Avant bah, de... Tout le monde. Voilà. Non, mais sur les 6, il y en a 3 qui n'ont pas voté contre moi. Je, pour le plaisir, je tire les derniers Camélia. Bon, ben voilà, aucune surprise. Voilà, c'est ça. Qui n'a pas voté contre moi, du coup? Moi, j'ai pas voté pour toi, moi. Narine et Hassan. Moi. Bah non, c'est pas possible, les gars. Moi. Il y a quelqu'un qui t'a menti. Ouais, non, personne n'a voté pour toi, Camélia. Ok, il n'y en avait que 3, mais bon, c'est bizarre. Bon, bref, c'est pas grave. C'est le jeu. J'ai décidé d'être joueuse au dernier conseil. Forcément, ça m'a coûté la place aujourd'hui. Ça fait partie de ce jeu. Jack, j'espère que tu iras loin et que tu remporteras ce jeu. Je te souhaite tout le bonheur pour la suite. Inch'Allah. Et puis voilà, bon courage à tous. Courage. Merci Camélia. Merci. Courage. C'est tout le bonheur, Camélia. Douglas. Camélia, ouais, Franck. T'en es sorti, Douglas. Hein. Bon bonheur. Je m'appelle François. On est revenu. Douglas sur la sellette pour la prochaine délibération, peut-être. L'avenir nous le dira. Nous allons donc procéder à la délibération rouge. Clark. Camélia, approche-toi. Oui. Avant de passer à la suite. Tu veux me toucher les orteils ou... Malheureusement, c'en est fini. C'est pour toi. Avec ta main. La sentence est irrévocable, dites-la pas. Non, c'est ma main. Non, c'est copyright. Ah, okay, merde. Viens me suivre, Camélia, merci.
Nous allons passer donc à la délibération de l'équipe Ringo les Rouges. Est-ce que vous êtes en forme? Faites du bruit. Chat, c'est réel, hein. La stratégie est réelle. La chat est réelle. La stat est réelle, les gars. J'en ai fait. Douglas. Les gars, Hassan, c'est le mec le plus utile du truc. Sucez doucement. Pardon. Monsieur Mathieu, un petit mot, vous vous sentez en danger? En fait, si on perd Hassan, les gars, je vous dis la vérité, c'est finito, people. Genre, on sait plus quoi faire, hein, genre vraiment. Nous allons commencer de ce le pas. Vieux, il est mort, on l'entend plus. Nous allons donc procéder au vote avec le premier demain, bulletin. Alors... Mathieu. Quelle surprise, tout le monde est choqué. Oh non, Mathieu. Oh là 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 là. Non, c'est Mathieu. Étonnant, dis donc. Mathieu. Vous allez voir ce que ça fait de se faire éliminer dès le premier soir, hein. C'est pas très rigolo. Allez, c'est sûr, ils vont l'éliminer. Franchement, ce serait trop drôle. Deuxième vote pour... Mathieu. Yes. Oh non. Oh non, pas Monsieur Mathieu, non. Il pourra faire caméraman, c'est bon, c'est pas grave. Son jean, il est vraiment moche. Le troisième vote... est en faveur de suspect insoutenable Mathieu. Ils sont battus. Ah, le pauvre, il fait de la peine. 3 votes pour Mathieu. Et le quatrième, pas de suspense, Mathieu. Mathieu. Namasté. Namasté kuzaimasu. Le cinquième risque de c'est raciste, ça n'arrive mal. Bah, attention. Fini. Attention. Ah, Richard. Oh, oh. Ah, peut-être que 4 votes pour Mathieu, 1 vote pour Richard. Frère Richard, c'est un con, je crois. De toute façon, Richard, c'est un nom de con, si je peux me permettre. Et un deuxième vote pour Richard. Ah, ils sont magnifiques, attends. Rien n'est joué pour le moment. Tu dis moi, personne a vu le vieux. Attention. Ah si, il est là-bas, suspense. Il est là-bas. Il ne parle plus. Troisième vote pour Richard. Mais Richard, il glande là-bas. Ah là là, le suspense à son comble comme à chaque délibération. Richard sur la sellette, Monsieur Mathieu sur la sellette. Et c'est le cinquième vote pour Monsieur Mathieu. Attention, un sixième vote et vous serez éliminé de la compétition. Respirez bien fort, surtout vous, Monsieur Mathieu. Respirez bien fort, oui. Richard, nous sommes donc à 5 votes contre Mathieu pour 4 votes contre Richard. Rien n'est encore joué. Peut-être que celui-ci va déterminer le sort de l'équipe Ringo. Putain, le rouquin, je connais pas ton nom. Ouais. T'as quoi dans ton sac? Et nous sommes face à une égalité. 5 votes pour Mathieu, 5... Ah non, pardonnez-moi. Wow. Nous sommes au sixième vote pour Mathieu. Je peux pas me faire ça, la clim. Non. Élimination. C'est terminé. De Mathieu. C'est terminé, monsieur. Monsieur Mathieu. 6 votes contre Mathieu, 5 votes contre Richard. Allez, nous laissons monsieur Mathieu aller chercher une torche. J'y vais tout de suite. Monsieur Mathieu, suivez-moi. Mais Mathieu, comment ça se passe? On n'est pas payé, t'as eu chaud là. Ça a changé la prod, François. Mais c'est quoi, t'es un glandeur de merde? Non, mais moi, ma faute. J'avais été sûr qu'ils allaient voter. En vrai, c'est. Les gars, quand Tamine arrive dans une équipe, c'est un vote gratos. Parce que du coup, tu sais très bien qui sera là demain. Félicitons les survivants. Qui demain auront de nouvelles épreuves à affronter. Donc eux là-bas, ils ont gagné encore un vote, les gars. Ils ont encore gagné un vote. Sur ces îles. Ouais, et du coup, il n'y a aucun rouge qui dégage. La prod qui s'est gravement améliorée ces derniers temps. Bravo à tous les caméramans. Bravo. Du pognon, on arrive. Bravo, ouais. Tout marche bien. Bravo la prod, vraiment. Vive le pognon. Monsieur Amine, veuillez venir au centre ici de tous vos camarades.
Avez-vous quelque chose à dire avant que nous éteignions votre flambeau? Tu peux faire caméraman, non? Je l'ai un peu senti avant de partir. Les rouges sont un groupe très très manipulateur. Ils font croire qu'ils sont tous amis, mais se crachent tous dessus les uns les autres. Par contre, il y a peut-être un problème parce que j'ai pas vu mon vote. Qui était pour? Qui était ni pour Richard ni pour moi. Bouh! Tricheur! Tricheur! Ah bah les gars, je vous jure que j'ai vraiment voté. Ça marchera pas, tricheur! Dégagez-le! Gilles moche! Mais c'est juste pour dire. Ok. T'es moche! C'est long, c'est long, les plus baisses! Vraiment, je le jure par tout ce que j'ai de plus cher, que c'est bizarre que mon vote quand même n'apparaisse pas, on est d'accord. François, chuchote avec moi? Il n'y a aucun doute, hein, tous les votes étaient comptés, il n'y a pas eu de triche, et tous les votes concernaient soit vous, et soit Richard. Je parle au seul mec qui ne sait pas le faire non plus. On peut pas. Je tiens à passer un message au rouge. Allez-y. Ok, bah regarde les pompes de main. Je tiens à remercier Ousmane pour son accueil. Je doute à aucun moment que tu aies voté pour moi, je pense que tu n'as pas voté pour moi et que tu blaguais sur la plage. Totalement fleuré, moi je peux me faire confiance. Je vous ai senti sincère. Et vous êtes des vipères. Kiara et Vince. Douglas. Kiara et Vince. Non, mais regarde les pieds surtout. Vince, tu te prends pour le chef. C'est faux. Tu te prends pour, tu te prends pour un dirigeant. Non, ça pue pas. Message que t'es sur c'est la scène, personne t'apprécie sur le village. C'est pas grave, la seule raison pour laquelle t'es ici. Ils sont un peu la seule sale, raison mais pour laquelle t'es ici. Hein, c'est déjà, il y a deux raisons. La première, c'est parce que t'es un fils de pute. Ouais. Et la deuxième, c'est parce que t'as gagné l'étoile d'immunité. Mais là, t'inquiète pas, je vais quitter l'île. J'ai quitté l'île, je connais l'adresse de ta mère, je vais l'éteindre. Je vais. Wesh. En attendant, ce qui va être éteint. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Que nous allons éteindre. Une émission, hein. Pour une fois que c'est vous êtes éliminé de l'aventure. Bien dit ça, François. Bienvenue, François. Pour quelqu'un, le poil. Oui, allez, fermez-la, venez avec moi là. Promotion, on n'est pas sur TikTok là. Je suis désolé. Ton vieux Marcel là. Pour notre cher Mathieu que nous apprécions tous. Moi je lâche le téléphone les gars. Évidemment. C'est regrettable. Je pense que ce soit l'équipe jaune ou l'équipe rouge, il y a bien une chose sur laquelle nous sommes viens d'accord. Viens au micro, nous apprécions énormément François, t'as vu monsieur Mathieu. Personne n'a voulu voter pour lui. Non, j'ai pas vu. C'est le jeu et malheureusement, on le regrettera énormément. Ah, bien sûr, on est tous d'accord. Ça c'est bien. Eh bien, merci à vous et félicitations pour être arrivé jusqu'ici. Viens. Les épreuves seront de plus en plus rudes. Vous imaginez bien qu'avec un budget pareil, les prochaines vont être redoutables. Et vous allez devoir faire preuve de beaucoup de force et d'endurance. Faites travailler votre esprit qui va vous être une grande aide pour survivre à la suite. On pourrait parler, je vous prie de rejoindre les bateaux et d'aller faire ce que vous avez à faire. Prenez des forces, si vous voulez un conseil. Prenez des forces. Vous en aurez vraiment besoin. Bonne soirée, bonne nuit, messieurs, dames. Et bonne chance à vous. Essayez de survivre. Merci, j'ai... Marine. Ouais. Je comprends pas, là. Il y a un problème. Alors moi, j'ai voté par rapport à mes convictions. Et tes convictions te menaient vers Douglas? Ah oui. Bah du coup il y a un problème alors. Oui, il y a un menteur parmi nous. Il y a un menteur. Ça fait plaisir les mecs de m'avoir fait confiance, merci. Ah, c'est un plaisir Douglas. Ah il y en a qui sont pas très très heureux. Wow. Tu prends pour qui toi? Dégage. Moi je suis champion de boxe moi. Excusez-moi Jack. Il est où ce con? Jack pardon. On parle du loup. Bonjour les dames. Elle est éliminée. Mouch. Ah mon gars. Bon les gars, c'est McDonald's gratuit pour tout le monde. Oh putain de merde. Allez, la prod de Rich m'a donné McDonald's pour tout le monde. Voilà, c'est McDonald's les gars. Merci la prod. En plus on a faim. Bah mais on va se mettre bien. Ça va être doux là. Il y a trop d'oreilles, je peux pas parler ici. OK. Regarde quoi, Darine? Allez, tout le monde gentiment au bateau là. Attends, mais t'as des jumelles? Non, j'ai pas de jumelles. Range-moi ça, couillon.
Ah, pardon. Range ça, couillon. Non, j'ai un problème. Non, je vous explique, je vous explique. J'ai quelque chose qui est scotché à ma main et j'essaye de... Vous voyez ? Ouais, j'essaie sur X. C'est quoi X ? Comment ça, appuyer sur X ? C'est quoi un clavier ? Du téléphone, là, que tu tiens en main, là. Rends-le-moi. Ah, j'y arrive pas, monsieur. Du coup, je peux appeler ma maman ? Ouvre derrière, là. C'est un ancien téléphone. J'arrive pas à ouvrir. Enlève la batterie, là. Si. Ah, derrière. Tu le garderas, ça sera un souvenir, ok ? Ok, merci. J'appelle ma maman, alors. Merci, gentiment. Non, y a plus de batterie. Ouais. Ah. Ah, bah zut. C'est ma technique au camp pour pas chier dans le lit des autres. Mais c'est dingue. Moi, le nombre de fois où je me suis chié dessus, j'arrivais pas à régler ça par moi-même. Ah bah, les feuilles de bananier, c'est efficace. Hein. Bah, Narine, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes à une hauteur quelque peu problématique. Bah, non, il parle bien son nom, il renifle. Bah, faut que j'y aille. Ah, pardon. À la prochaine. Vos bateaux, s'il vous plaît, merci. Vous savez que si je prends le bateau des rouges, là, j'en suis sûr, je vais chez eux. On se retrouvera. Sale geek, vous êtes. Cassez-vous, le geek. Casse-toi. Avec tes geek, cheveux, là. Tiens. Prends ça, sale geek. Tiens. Prends ça. Les gars, c'est très simple. Si jamais on fait tous les deux la réunification. Lui et moi, les gars, on est foutus. Ils vont nous voter instantanément, tous les deux directs. On veut pas là, ils sont insupportables, ces deux cons. La stratégie a gagné ce soir. Y a pas de sous-marin là. On voit bien. La stratégie a gagné ce soir. Pourquoi ça n'est Jack là ? La stratégie gagne toujours, Paris, je crois. Ouais, mais c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Je l'apprécie vraiment beaucoup, Camélia. Non, pas forcément, mais juste elle était beaucoup plus utile sur le camp que d'autres et voici mes critères de... Après, je l'ai rarement vu ramener du bois, par exemple. Si. Aujourd'hui, je l'ai pas vu. Aujourd'hui, j'ai ramené l'eau, le bois, trac, nanani, à chaque fois, elle était au camp. Bon, allez, concentre-toi. Concentrez-vous. Comment on se concentre ? Tu médites ? Il faut que tu fermes les yeux, tu t'assois, oui. Tu fermes les yeux, tu fais juste entendre. Allez, c'est difficile, après des périodes difficiles. Voilà. Je vais vous faire une méditation guidée, asseyez-vous. Allez-y. Tu fermes les yeux, le feu dans ton esprit. Autour de toi. Il s'est paré. Le vide, c'est pas grave. Autour de toi, le vide. Tu écoutes ma voix. François, je vais exploser la gueule si tu continues. J'entends plus les voix là, j'entends beaucoup de voix là. François, je vais baiser ta femme si tu continues. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est déjà le cas. J'entends beaucoup de voix là. C'est déjà le cas, ça ne changera pas grand-chose. Alors écoute bien ma voix. Ah, oui, j'écoute beaucoup de voix là. Tu quoi ? J'entends beaucoup de voix là. On va tous mourir si je vais pas pêcher là. Tu fermes les yeux et tu as le silence. Je peux me permettre. Je crois qu'il faut aller pêcher moi. Moi je vais aller pêcher. Le sable. C'est moi qui arrive. En vrai, si vous êtes sur le sable, il s'intègre petit à petit et tu sens tout ton corps. Dans ton corps de tes pieds jusqu'au bout de tes doigts. Oui. Un chewing-gum qui est dans ta bouche. Couleur rose. Tu vas aller de plus en plus vite. Tu es un chien enragé qui crache son chewing-gum. Tu redeviens toi-même, toi, D1, tu es toi-même et tu vas mieux et tu as libéré tous tes problèmes. Ouf, putain. Ça va bien. C'est incroyable, vous êtes magicienne. Je sais, c'est... On me dit souvent que j'ai un doigté mental. Hein ? Oui, c'est... Parce que j'ai un bon toucher mental. Très bien. Merci Stéphanie. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là dans le coin. Merci Stéphanie, c'est formidable. C'est une magicienne. Je sais. Stéphanie vient de me soigner, je crois que c'est une magicienne. Ah oui ? Venue. Elle a été soignée aussi facilement. De la forêt, sûrement verte, la forêt verte. La forêt verte des Toltecs.
Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non mais vous êtes formidablement formidablement et culturé. Il y a rien qui vient de te choquer, tu nous parles de du monde de Narnia, frérot. Qu'est-ce que tu nous Mais bien sûr qu'il vient de me choquer, qu'est-ce qui vient de me choquer? Ah ok, t'étais pas avec nous au conseil, excuse-moi Narina, c'est vrai que t'étais pas avec nous au conseil. T'étais pas là au conseil? Si, j'étais là au conseil, et on vote des gens forts cette fois, ma stratégie a gagné. J'ai fait de la méditation. T'as voté quelqu'un de fort, la stratégie a gagné. Narine. J'ai pas voté, on a voté quelqu'un de fort. Ah ok. Non, non, moi j'ai voté Douglas. Vous comprenez pas pourquoi les calculs étaient erronés. Ah non, tu viens de dire que on a voté. Non, non, mais moi, les gars, depuis le début, je vous dis. Oui, oui. Mais c'est plus pour la malhonnêteté que. Quelle malhonnêteté? Ah ouais, Narine, on a voté Camilla, ouais. Bah, Monsieur Jack n'aurait pas voté autre chose que Douglas, voyons. Mais oui, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'entre vous, là, il y a quelqu'un, voire deux personnes qui mentent. et c'est bizarre. Si vous étiez ensemble, il faudrait peut-être laver le linge sale. Ouais, on va laver le linge sale en public, comme on dit. Non, ouais, bah oui, allons-y, j'ai rien à cacher. En fait, il faut mettre ça au clair, les gars, cette histoire, elle est pas, c'est pas normal. Attends, parce que moi j'ai froid. Ah, moi aussi j'ai un peu froid, j'ai gagné. Douglas qui coupe le melon, propre. Ouais, et là ça va commencer à renifler le cul des autres et commencer à faire de la merde. En fait, lui. J'arrive pas à comprendre. Gars, en fait, t'as vu, genre le présentateur, ce bâtard, il a bien mérité ce qui s'est passé. Ah, mais lui, il est. Non, mais on s'en fout du présentateur, on s'en bat les couilles. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui s'est passé réellement là. Putain, j'aimerais bien savoir comment le foutre dans ma main. J'avais un truc, les gars. Je sais pas si c'était le double clic, le truc. En fait, pour l'utiliser, c'est clic droit, tu vois. Mais ouais. Et du coup, ce bâtard de Mathieu, là, Narine, viens. C'est quoi? C'est bien fait pour ta gueule. T'as voté qui? T'as voté qui? Je vais te Douglas. Bah non, tu viens de dire tout à l'heure que t'as voté Camélia. Bon, je sais que vous essayez de tourner cette histoire parce que vous savez pas ce que c'est des honneurs et des valeurs. Mais moi, depuis le début, j'arrête pas de vous dire que je voterai Douglas. Depuis ce matin, je vous dis je voterai Douglas parce que Douglas, c'est la personne qui en fout le moins sur le camp. Et voilà. Donc, je sais que vous essayez de tourner ce truc-là parce que l'un d'entre vous ment, mais c'est pas mon genre. Et Narine, j'en ai marre. Moi, je mens pas, j'ai voté Camélia. Ah, pardon. Ah, comme beaucoup de monde. Attendez, mais du coup, ça veut dire que c'est Stéphanie qui a voté Douglas. Camilla. Non, mais même en comptant Stéphanie, il y a quelqu'un de plus. Il y a Stéphanie, Jack, Camélia et Narine qui sont censés avoir voté Doug. J'ai pas de canne à pêche, Stéphanie. Moi, j'en ai une. Il a eu que 3 votes. Enfin, il a eu que 3 votes. Du coup, il y en a un de vous 4 qui a voté Camélia. Moi, je pense que François, il a voté Camélia aussi. Pour être très honnête avec vous, j'ai trébuché. C'était entre soit Camélia et Douglas, j'ai choisi Camélia. Mais comment t'as une caméra alors? Parce que je suis payé. Douglas? Ouais, Narine. Quand vous coupez le melon, vous en prenez qu'un seul? Là, j'en ai 10 coupés dans la poche là. J'en ai mangé aucun. Incroyable, incroyable. Bravo Douglas. Bravo. Ouais, juste prenez-les un par un. Si vous en prenez plusieurs dans vos mains, c'est terminé. Avant de les couper. C'est noté. Merci. Ok, les poses où les mélanges, les poses dans le coffre? Oui, là-bas, là, ouais, là-bas. Non. Douglas? Marine? Oui? Faut que je te parle pour deux trucs. Déjà, premier truc, je mets où les melons coupés? Là. Mais je crois que je peux pas. Si. Ah si, c'est bon. Okay. Si. Et deuxième truc, tu peux me le dire à moi? Est-ce que c'est toi t'as voté pour Non. Pour Camélia? J'ai voté Douglas.
Et du coup, ça veut dire que c'est Stéphane qui a voté Camélia. Je sais pas du tout. Je sais pas, j'ai décidé de faire un vote un peu égoïste et non, par rapport droit, à mes valeurs, et puis voilà. Moi, je vous l'ai dit, de toute façon, je te l'ai dit à Jack et à toi. Non, mais c'est totalement. Encore une fois, je vois la stratégie, mais ça ne. Je sais plus, j'ai pas trop envie de m'immiscer dans ce genre de stratégie. Quand. Imaginons que demain, ce genre de stratégie, c'est contre toi, bah, t'auras de la chance d'avoir des gens comme moi qui se tiennent à ce qu'ils pensent et à leurs valeurs pour dire non, bah, je ne ferai pas partie de cette stratégie. Non, mais moi, si j'ai adopté cette stratégie, c'est parce que je sais que ça peut se retourner contre moi. Et ah, tiens, vous savez même pas. Moi, je sais que j'aurais laissé une bonne image. Ah, vous savez même pas ce que c'est. Vous savez même pas ce que j'ai voté parce que c'est grisé, c'est incroyable. Je suis prestige 2 de Holy Speedy, j'ai pas besoin d'argent. Moi, je fais ça juste pour prouver mes valeurs et mes principes, tu vois. Bien sûr. Et moi, j'apprécie tes valeurs et tes principes. Ça a l'air de bien fonctionner. Tu m'as sauvé la vie. Moi, j'oublierai pas. Il n'y a pas de souci. Maintenant, s'ils veulent mentir et continuer à tourner autour du pot, moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas mon genre. Pour moi, c'est Stéphanie, c'est sûr. Ou alors, c'est Jack. Et dans ce cas-là. Jack qui aurait trahi Camélia, ce serait. Jack qui aurait trahi Camélia, ça aurait été terrible. Terrible. Ah, ouais. Ça me briserait le cœur. Mais c'est entre Camélia et. Entre Stéphanie et. Jack, quoi. Bien sûr. Douglas, je sais que vous avez écouté la conversation, il n'y a pas de problème. Et ici, vous pouvez ranger le melon dans celui-là. Tous les fruits vous et. Ranger ouais, ici, ouais. Tu connais la traîne. Bah, parce que. Hassan m'a dit que la semaine dernière à Alger, plus personne mettait de maillot de l'Algérie rose à cause de toi. Je vais aller pêcher du poisson. Je suis pas ouais, au poisson. T'es bon. Bonsoir. Oui. Oui, Narine. François, vous avez fait beaucoup d'efforts sur le camp et je suis fier de vous. Merci, Narine. J'essaye de m'améliorer de jour en jour, même si c'est pas toujours facile. À la base, je suis pas très manuel. Bah, au début, c'était très dur. Mais là, au moins, je vois des résultats. Et je pense qu'il faudra qu'on fasse attention ces prochains jours parce que je pense pas que les prochains jours qui vont arriver seront aussi faciles que les jours qu'on vient de passer sur le camp. Pour qui ? Pour nous. Pour nous tous. De toute façon, moi, je suis en danger toutes les semaines, donc je suis assez d'accord avec votre point de vue. Pourquoi vous avez un smartphone ? C'est rien. C'est rien. Ça. Vous n'avez pas le droit d'avoir un smartphone ? Non, mais ça n'existe pas, du coup. Si, ça existe, je le vois, il est dans votre main. Oui, mais il est là, mais il n'est pas là. Bon bah. Non mais vous avez compris ou pas ? Il est là, mais il n'est pas là. Ah oui. Ah mais il faut bien me dire à quoi sert ce téléphone si vous voulez pas que j'appuie sur F1. Imaginez-vous un téléphone. Ok ? Oui. Il est là, oui. Mais il n'est pas là. Excuse-moi Douglas. Ouais. Excuse-moi Narine. Narine est en train de me prendre pour un con. Tu vois quoi dans sa main là ? Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Pourquoi t'as l'iPhone 15 dans ta main, Narine ? Alors déjà, c'est pas le 15, c'est le 5C. Et ensuite, il est là. Ah d'accord, mais... il est là, mais il est pas là. Il est... Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez compris ? Ah, d'accord, vous avez compris ? Dormir. Je pense que mon cerveau me joue ouais, des tours. Ouais, je dormais, j'ai des visions, là. Voilà, exactement. Vos cerveaux, et d'accord. Mon cerveau d'ailleurs, et même ma main, me jouent des tours. C'est l'heure de dormir, les gars, je pense. Ouais, mais il reste encore un peu de temps, là. Et peut-être qu'on va revoir nos amis du cartel. Ouais, je suis monsieur mort, ouais, quand même. Ouais. Ça va, okay. François, qu'est-ce qu'il y a là ? Oh, j'ai un peu un mal de crâne là. Non, mais attendez, François, restez pas comme ça. Ah, je crois que c'est le diabète là. Oh. Attendez, François, je connais des techniques de méditation. Vous faites un coup sec et tu as François. Oh, vas-y. François. Oh non, pas ça. Oh non. Ça va pas aider ça. François, réveillez-vous. Ça me fait peur. Bien joué, Narine. Oui, c'est une technique ancestrale pour. C'est une technique. Ça marche à chaque fois, hein. Ah, c'est une technique ancestrale pour réveiller quelques racistes. Ah, toujours les racistes. Bien sûr. La carte avec elle et on ne l'a plus maintenant. Quoi ? Attends, elle avait la carte ? Bah oui, elle avait la carte. Non, attends, c'est pas possible. Elle n'en avait pas. Si. Non, elle l'avait pas, parce que quand on est parti aller chercher, elle l'avait pas.
Elle n'en avait pas. Attends, mais si, ah, les gens, si les gens ils partent avec les objets, moi je vais devenir complètement fou. Je vais devenir complètement fou, je vais devenir fou, je vais devenir fou. Parce que moi, elle m'a passé les livres, les pages de livres, mais elle m'a pas passé la carte. Ah, j'en peux plus de cette île de merde. J'en peux plus de cette île de merde. Tous ces connards égoïstes de merde. J'ai tous les livres et j'ai pas la carte. Alors soit elle l'a caché quelque part ou elle l'a donné à quelqu'un d'autre. Ah, Karim, regarde, moi je peux te faire la carte. Toi, tu as fait ta maladie. Alors, moi, c'est pas Karim, c'est Narine comme Nick tes mères. Non, mais je parlais à Karim, pas à Narine. Ouais, moi, c'est Karim. Ah, excusez-moi. Ah oui. Moumouche, appelez-moi Moumouche. Non, mais regarde. Problème. Karim, c'est Mouche, les gars. Regarde sa chemise. C'est la même chemise que le maillot de la trend. Eh, hey, les gars, quelle trend? Mais le problème, c'est qu'il a pas de paquet dans le boulard, non? Ah, tu vois pas comment il. Ah, je sais pas. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Je crois, ouais. Alors, si je ne m'abuse, monsieur Jack, il n'y a pas que des gars ici, il y a Stéphanie. Voilà. Pardon, non, pardon, les amis, désolé. Les gars, en fait, hier, quand le cartel est arrivé, genre, et qu'on a vidé nos poches, il y avait une carte magnétique par terre. Et tu l'as ramassée, je suppose? Non, je ne l'ai pas. Genre, j'ai vu qu'il y avait une carte magnétique. Genre, qui parmi vous l'a, cette carte elle magnétique? Elle ne sert à rien. Ah, cette carte magnétique, je l'ai déjà utilisée pour ouvrir le truc. C'est là où vous avez trouvé la cocaïne. Bon, ok. Merci pour cette honnêteté. Merci. J'aime bien cette conversation où elle va. D'ailleurs, tu as ramassé des allumettes aussi. Non, il n'y avait pas d'allumettes. Quoi, Stéphane? Moi, j'ai pas vu. Il y avait de la cocaïne. Il y avait une mallette d'argent. Il faut de la dynamite. La dynamite. Hein? Oui, je suis allé. Non, on en a sous la main. Attends, il y a un autre truc aussi. Donc, il nous faut des explosifs? Oui. Attends, j'ai un autre truc aussi. J'ai une seringue au cas où s'il y a quelqu'un qui est peut-être malade, seringue vide. Une seringue? Non. Je pense que la seringue, elle est faite pour extraire quelque chose. Bah ouais, plutôt, non? Je ne pense pas qu'elle est là pour injecter, je pense qu'elle est là pour extraire quelque chose. T'es sûr c'est pas pour quelqu'un s'il tombe? Non, est-ce que vous l'avez essayé sur des fruits ou des légumes, des plantes, des trucs? Elle est vide? Elle est vide ou elle est pleine ta seringue? Elle est vide. Voilà, je pense que la raison c'est pour extraire. Eh les gars, il y a une poule sur la plage. Une poule? Quoi? Oh, la poule! La poule, posez-vous! Oh, touche pas ma poule! Oh, touche pas ma poule! Touche pas ma poule! La poule! La tue pas, touche pas ma poule, j'ai pas. Donne-moi ton pognon. Touche pas ma poule. Crache les yeux, poulette. J'ai besoin de tes œufs. Poule de merde. Laisse-moi. Jack, t'as fait quoi des allumettes? J'ai pas d'allumettes, elles sont où les allumettes? Mais c'était quoi alors que t'as ramassé hier? Pardon, j'ai cherché la poule. Eh, Douglas! J'ai pas d'allumettes. Mais hier là, quand le cartel est passé, on a ramassé plein de trucs. Jack, il faut absolument que vous me parliez des millions du dictionnaire Larousse que vous avez dans vos poches là. J'ai un milliard de pages. Tu les veux? Ok. Ouais, donne, j'en peux plus. Mais vous les avez entrevus? Vous aviez une poule. Tiens. Une poule? Une poule, oui. Une poule, là. Tiens. Moi, je te passe toutes les parts que j'ai trouvées. Tiens. Mais t'avais ça depuis combien de temps? Tiens, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est qu'avec Camélia, on est sur le tour de l'île et on a trouvé toutes ces pages. Et ensuite? Mais vous avez trouvé des pages, mais est-ce que vous avez pris le temps de les lire? Oui, on a lu un petit peu, mais pas tout, parce que ça prenait trop de temps. Ça aboutissait à quoi? Rien, c'est juste un mec qui s'est perdu et qui a trouvé genre des cocotiers et compagnie, tout et tout. Ah ok, ça aboutit à rien. Allez, il y a quoi d'autre dans ces poches magiques là? Allez. Donne-moi les allumettes. T'as une poule? Ouais, j'ai la poule. Non. Mais par contre, elle va pas pondre des œufs, elle va pondre un peu de nuggets à la limite. Attends. Donc elle sert à ça la cage? Ah, pour trouver des animaux dedans? Bah sûrement, ouais. Si on enferme la poule dans la cage, on peut lui extraire son lait. Mais t'es sûr que la cage, elle ne sert pas à attraper des animaux? Plutôt? Mais non, elle sert à mettre des animaux. Elle va pas attraper la cage toute seule. La cage, elle va pas comment attraper des animaux tout seul.
Ah si, mais la cage avec un petit bout de bois, tu vois, le petit lapin, il va passer dedans. Non, ça s'appelle un piège. Ah, piège. Faut revoir votre le champ lexical, monsieur. Bah, hey, j'en ai pas beaucoup, d'accord, ok, je m'influence dans TikTok. On cache rien. On cache rien. Attends, il m'a dit que... Hein? Non, mais la poule... La poule, là, si tu la mets par terre, elle va courir. Tu manges pas de poule, tu es végétarien. Non, elle est dead. Elle est... Ouais, tu dis ça, François. Elle est morte. Il mange pas de viande, elle est pas morte, en vrai. Je sais pas, en vrai. On va la prendre dans ma main. Mais il en a rien à foutre que la poule soit relève ou pas. En vrai, je vais pas te mentir, moi aussi. Bah ouais, mais non, on... Et Jack, tu sais couper la coco, Jack? Essaye de la couper, essaye de la couper. Jack, ou t'es un Big Mac? Bah non. Jamais. J'essaie de la couper. Essaie de la couper, essaie de la couper. Non, papa, c'est un fruit, c'est uniquement des fruits ici. Ah. Une construction ou un truc qui potentiellement peut mettre la poule. Non, il y a ces cages. Il y a que cages. Il y a que la cage. Piège. Il y a que des pièges. Oui, dans mon rêve, je m'appelle Abdel Bachir. C'est mort. Mais... C'est quoi toi? Ouais, mais une cage. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Dramatique que ça. Ah ouais, bah comme quoi. C'est pas ça. T'as mangé de la pizza à la mayonnaise ou pas? Écoute, on regarde et on verra ce qu'on entend. Non, mais par contre, je n'ai pas trouvé de sauce algérienne. Et ça, j'ai pas vraiment compris du coup. Si tu réfléchis à un truc et tu vois un truc, t'inquiète, fallait mieux se renseigner, t'aurais trouvé, t'inquiète. Par contre, ton dégradé, je sais pas si tu l'as fait à Alger Centre ou à Timmy Moon, mais l'un des deux, je pense. C'est dégradé top de top. Ah ouais, il est magnifique. Le ballon de rugby sur la tête là, c'est pas mal ça. Ah ouais, on t'a mis un bol et on a coupé autour. C'est incroyable. Il y a vraiment un concept. C'est la spéciale ça. Bon, les gars, qui veut de la noix de coco? Jack? Bah, moi je dis pas non, j'ai faim. Ah non, mais. Jack? Non. Votre coco, c'est dans le feu! Dans le Vaucluse, et du coup, vous avez bouffé la poule? J'ai mis du saumon, et de la carte. Ah non, c'est pas dans le feu. Ah. Les temps d'aller. Bon, allez, mec, moi j'allais pousser, moi. Sur votre femme. Ouais. Hassan, pouvez-vous annuler ce. Merci. Pas de violence! En gros, Jack, j'aurais entendu dire que votre femme, son passe-temps favori, c'était de chier sur les draps. Chat, préparez-vous à clipper. Non, mais. Enfin. Vous êtes bien Jack Spardoug? Oui, c'est moi Spardoug, absolument. Ah oui. Non, mais j'ai cru entendre ça, mais c'était peut-être pas vous, c'était peut-être un autre Jack, vu qu'on avait Jax la dernière fois. Je suis peut-être trompé. Je pense pas, parce que. Ma femme ne fait pas caca. D'accord. Bah, moi aussi, je pensais que les femmes ne faisaient pas caca, mais le jour où elle est partie avec Jean-Baptiste Benjamin, elle a laissé les toilettes ouvertes. Je peux vous jurer qu'elle avait aucun respect pour moi. Mais du coup, vous avez entendu? J'ai entendu et j'ai vu même. Et l'odeur était atroce. Atroce. Mais je l'aime quand même. Enfin, je l'ai aimé quand même malgré ça. En tout cas, demain, vous aurez de quoi manger. Hein. Ah oui, bonne nuit tout le monde, bonne nuit tout le monde. Ouais, bonne nuit. Bravo pour cette journée, bravo. Bravo. Ouais, bravo. À demain les gars. Bonne nuit, à demain. Oui, François. Tu as marqué des points aujourd'hui, c'est une légende. Demain matin, quand tu te réveilleras, va voir dans les coffres là-bas. On aura plein de petits fruits. Eh, ça va, t'es bien Narine? Non. Ouais, je... Oh les gars, putain. Eh, c'était cool les gars. Eh les gars, j'aime pas la strat les gars. Mais bon, c'est le jeu les gars, c'est le jeu.